Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans un nouvel épisode du Winamax Football Club. On est vendredi, le week-end approche, il y a de l'argent à se faire. Sur ce week-end, il y a des gros matchs. Ah bah ça, c'est commence du lourd. Ce soir avec un peu de Ligue 1, il y a des gros matchs européens. Pour m'accompagner ce soir, je vais commencer par le boulanger du Winamax FC à ma droite. Ça va Sofiane? Salut à toutes, salut à tous. Bah écoute, très très bien, je suis très content. Petit week-end qui arrive avec des gros matchs. Il y a un match de Lyon ce soir, donc... Petit stress. Et comme mais... tous les week-ends, tu vas nous dire que Lyon va perdre. Bien sûr, et ils vont bien sûr gagner. Non, non, mais voilà, on va essayer de vous filer des bombettes et de parler. Il y a beaucoup de sujets. Il y avait de l'actu aujourd'hui. Face à toi, il vient visiter les installations du Winamax Football Club. C'est Roland Courbis. Bienvenue à la maison, Roland. Ben bonsoir à tous. Comment ça va? Et bonsoir à toutes. J'aurais dû commencer par toi. Il y a plus de gars. Ben gaffe, ça va. Fais gaffe. Ça va. Quand tu visites les installations, souvent non, deux semaines après, non, tu vas sauter, je pense. Je suis venu parce qu'on m'a dit qu'il y avait deux porte-bonheur qui traînaient par là. Ouais, on va. Il vient chercher les gris-gris. Le sommaire de ce Winamax FC, on va vous le mettre à l'écran, les amis. On va parler de l'OM parce qu'il y a de l'actu du côté de Marseille. Il y a eu la conférence de presse de tous les représentants des groupes ultra. Jacques-Henri Hérault face aux supporters qui finira KO parce que voilà, là, c'est la guerre est officiellement déclarée. Ils estiment que les supporters ne déclarent plus les dirigeants comme président de l'Olympique de Marseille. Ensuite, place au terrain, spécial Nasser Largué. On va revenir un peu sur le 11 qu'il avait aligné face à Nice. Est-ce que de chambouler l'effectif comme ça, c'est une bonne chose? Est-ce que les jeunes et les mis au banc doivent être titulaires et durer dans le temps sur cette fin de saison? Tour d'Europe, on clique ou on clique pas? Là aussi, tous les gros matchs du championnat européen déroulera. Roland, il en a préparé, je peux on déroulera avec Roland tous les matchs français, tous les pronos de Roland et un petit quiz à la fin préparé par Sofiane. Voilà pour le sommaire de ce Winamax FC. On salue tous les Winamax. Il y a des messages pour Roland, t'as vu hein. On va regarder ça. Ouais, on va les afficher tranquillement au fur et à mesure de l'émission. La question du jour, la question de ce Winamax Football Club. Marseille dans le top 5. Est-ce que vous y croyez? La cote a un petit peu baissé. On la mettra tout à l'heure de Marseille dans le top 5. Avec ce match en retard contre Nice, ils sont qu'à un point de Rennes. Rennes qui n'est pas au top de sa forme. Il y a Lens aussi qui est en embuscade parce que bon, les 4 de devant, ça paraît un peu plus compliqué. Vous allez les chercher, vous répondez en commentaire de cette vidéo et sur les différents chats, on relaiera tous vos messages avec grand plaisir. Voilà pour le sommaire. Allez, on va parler de l'Olympique de Marseille. C'était l'actu un peu de la journée. On y va, c'est la causerie. Et oui, rien ne va plus, Sofiane et Roland, entre les supporters marseillais et la direction. Tout Marseille repeint de banderoles, héros d'émission, conférence de presse sur la petite, vers le domaine de Farola. Ah ouais, c'est incroyable, c'était mafioso. C'était joli, il y avait une belle vue là, sur le vieux port derrière. C'était sympathique, cette petite conf de presse. On va en parler avec vous. Juste, je vous affiche la cote de Marseille qui termine dans le top 5 du championnat. C'est une cote à 2,50. Rapidement, je vais commencer par toi, Roland. Est-ce que Marseille dans le top 5, est-ce que tu y crois? Est-ce qu'une cote à 2,50? Mais disons que je ne veux pas changer la phrase, mais dans le top 4, c'est terminé. Exactement. Donc, est-ce que Marseille peut terminer 5e? Je dis oui. Comme 6 à 7 équipes peuvent encore terminer 5e, voire 6e, puisque si je ne me trompe pas, la place de 6e. Il faut que Paris gagne la Ligue des Champions. Quoi. Voilà. Mais par contre. La Coupe de France. Qualitativement, tu les vois mieux que Rennes, par exemple? Ouais, ça, c'est. Ouais. Rennes n'est pas brillant non plus, mais il y a moins de problèmes avec les supporters. Ça, c'est sûr, c'est moins compliqué. Sofiane, cette cote à 2,50 de Marseille dans le top 5? Mais c'est conditionné par énormément de choses, parce que tu ne sais pas si d'ici la fin de saison, ça va changer de coach déjà, puisque Nasser Largué, on ne sait pas s'il reste jusqu'à la fin, ou s'il y a Sampaoli, parce que je crois qu'il est dans son jet privé en ce moment. Et il a regardé Marseille-Nice apparemment. Ouais, donc il y a énormément de choses quand même difficiles à appréhender par rapport à Marseille. Après, la cote, elle est, je trouve, haute parce qu'ils sont à un point seulement du top 5. Je me dis qu'en face, tu l'as dit Roland aussi, Rennes, tu n'as pas l'impression que ce soit impressionnant non plus. Tu peux te dire que là, j'ai regardé le calendrier du côté de l'OM, ça va être compliqué sur les prochains matchs. Il y a Marseille-Lyon, il y a Lille-Marseille, il y a Marseille-Rennes. Mais dès que tu sors de ces trois matchs, tu peux voir peut-être sur la suite si ça peut bien se passer. Donc, quitte à prendre la cote avant ces gros matchs, je la prendrai maintenant parce que forcément, elle va baisser si ça se passe bien.
Ton avis, Roland, sur tout ce qui se passe aujourd'hui, sur les derniers jours à Marseille, sur l'environnement, et justement par rapport à cette cote de Marseille qui termine dans le top 5, est-ce que ça peut largement influencer un vestiaire ou non? Mais voilà, que ton avis sur l'actualité marseillaise. Disons qu'on est, dans une période et dans une époque avec ce Covid où beaucoup de choses sont faussées, et on le voit pas seulement dans notre championnat, on le voit dans le championnat étranger. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de résultats quand les équipes se déplacent. Donc là, on est maintenant dans une période aussi où il y a cette Coupe de France qui n'est pas tout à fait avec le même règlement. Mais la Coupe de la Ligue de France. Ça y ressemble. Donc il y a encore la possibilité de pouvoir se qualifier avec la victoire en Coupe de France. Du côté de Marseille, ce qui serait une bonne idée, c'est de faire un bon parcours, et pourquoi pas aller au bout, et pourquoi pas la gagner. Ça ne s'est pas fait, je crois, depuis 1989. – C'est ça, et ils aiment la Coupe de la Ligue, 91. – Et dans la région, que ce soit dans le club et dans la région, Mademoiselle Coupe de France est quand même la préférée de beaucoup de supporters. Donc ça peut permettre, disons, allez, non pas à ce que tout se répare, mais ça peut permettre un retour au calme, puisque pour moi, l'étape maintenant qu'il faut réussir, c'est un retour au calme. C'est tout simplement indispensable pour moi. – Sofiane, sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, cette guerre sur le titre de ce débat, Jacques Henriot face aux supporters, est-ce qu'il peut tenir? C'est un peu le débat aussi. Il pourrait y avoir des cotes. Dans combien de jours Henriot va-t-il démissionner? Mais déjà, c'est incroyable pour moi qu'il soit encore là. C'est Robocop. Hein. C'est vrai. Parce que rester alors que tu as toute la ville contre toi, il y a même, je pense que la périphérie aussi doit être un peu contre lui. Mais ça va au-delà du sportif. Mais bien sûr. Mais moi, en tout cas, il y a un truc que je trouve très très positif dans toute cette histoire un peu difficile finalement depuis ce qui s'est passé à la Commanderie, c'est qu'il y a une union de tous les supporters. Tu vois, ça n'a pas été le cas dans tous les clubs où il y a eu des crises, Bordeaux, Saint-Etienne, même à Lyon à une époque, puisque moi j'étais concerné, il n'y a pas eu cette forme de crise bien sûr, mais quand il y a eu quelques problèmes avec Genesio, je m'en rappelle, Marcelo. Oui, exactement. Voilà, il y avait les pour, les contre, etc. Là, tu sens qu'il y a une osmose chez tous les supporters de Marseille. Et ça, c'est très positif, je trouve, pour le bien-être du club. Après, le problème, c'est que s'il ne veut pas partir, lui, comment ça se passe? Parce qu'il est encore là après ce qui s'est passé à la Commanderie, ce qui est pour moi un exploit incroyable. Il est encore là après toute la catastrophe, parce que en réalité, ce qui pose problème, c'est plutôt le bilan sportif de l'OM depuis qu'il est présent, même s'il y a une finale d'Europa League qui traîne, mais le bilan est plutôt moyen. Voilà. Donc, tu te demandes comment il reste. Mais en tout cas, dans toute cette histoire, je pense que Marseille en sortira grandi. Quelle relation tu avais, toi, Roland, quand tu étais à Marseille avec les supporters? C'est obligatoire de quasiment pas les avoir dans sa poche, mais ce climat-là, c'est pas possible à l'Olympique de Marseille. Oui, mais je pense aussi que pour certains postes, alors le poste de président, c'est encore un poste différent que directeur sportif ou entraîneur. Le poste d'entraîneur, c'est pas seulement Marseille. Marseille, ça fait partie des clubs où il est très difficile pour un entraîneur de durer longtemps. Donc, je ne mets pas en doute les qualités des autres coachs dans les autres clubs, mais j'ai eu le plaisir et la chance d'entraîner un club comme Bordeaux, comme Montpellier, comme Marseille, comme Ajaccio. Mais le métier à Marseille est totalement différent. Donc, et quand on fait déjà 2 ans à Marseille, ce qui a été le cas de Didier Deschamps, et de moi-même, déjà, je fais une erreur. J'aurais dû arrêter et me reposer parce que j'ai terminé vraiment très, très fatigué cette deuxième saison. Comme Villas-Boas. Avec la finale, avec… Oui, mais bon, la saison dernière, je ne pense pas qu'elle était quand même très fatigante dans le sens qu'il n'y avait pas ni Europa League, ni Champions League. Et on a enlevé 10 matchs à 10 matchs de la fin. Et là, cette saison, elle a été tout simplement lamentable en Champions League par rapport à la chance que, pour moi, l'OM avait eue au tirage au sort en étant quatrième chapeau, tombé dans un groupe avec Porto, qui ne domine pas son championnat portugais, et Olympiakos. Ce tirage au sort est tombé du ciel et on n'a même pas été capable de terminer troisième pour jouer l'Europa League. Donc ça,
c'est pour moi très décevant. Et en ce qui concerne maintenant la situation, ben, se mettre à dos tout le monde, c'est pas facile. Mm-hmm. Hein, mais je ne suis pas là pour, il est bon, être, il est bon. Pour être ironique. Mais quand je vois aussi que même les politiques, quel que soit le parti, sont contre, je pense qu'il va falloir passer à une autre cible, si je peux appeler ça comme ça. Mais cette cible, pour moi, c'est tout simplement ma courte. Et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut faire et avec qui il veut le faire dans un avenir très très proche. Faire venir un entraîneur, ben oui, pourquoi pas, mais c'est pas ça le problème à régler aujourd'hui. Le problème à régler aujourd'hui, je le dis, c'est retour au calme et comment on va pouvoir faire pour remettre en état la relation avec Hérault. Sincèrement, la solution, je n'ai pas la prétention de la voir et je ne la vois pas du tout. Juste pour répondre à Kabongo sur le chat, bien sûr que ça n'a rien à voir le sportif par rapport à la détestation de Jacques-Henri Hérault, ça j'ai bien conscience. Je dis juste que quand le sportif va mieux, c'est vrai qu'on l'oublie lui, tu vois. Ça s'est passé cette saison par c'est exemple. C'est pour ça que je te parle de la Coupe de France. Si exactement, voilà. C'est une carrière en Coupe de France. Mais, je ne suis pas certain que même si Marseille gagne la Coupe de France, que non, bien évidemment, mais je dis juste que ça peut ramener un petit peu de calme. Mais évidemment, on a fait plein d'émissions sur Jacques-Henri Hérault et sa communication et on sait très bien que c'est de là que partent tous les problèmes. On l'a dit, sa façon de parler de Marseille, sa façon de parler des employés également, sa façon aussi de vouloir réformer le monde du supporterisme, ce qui n'existe dans aucun club, alors encore moins à l'Olympique de Marseille, justement. Donc tout ça, bien sûr, c'est ce qui a mis de l'huile sur le feu. – Tu parles justement de cette manière de se communiquer avec les termes utilisés par l'Olympique de Marseille. On a parlé à Bastien Cordelani, qu'on a déjà vu dans le Winamax FC, il a signé la belle tribune qu'il y avait eu ce matin dans la Provence, qui clamait l'amour de l'Olympique de Marseille. On va l'écouter et après on discute de la suite à venir pour l'Olympique de Marseille. On y va. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait à l'encontre des groupes et je devenais un petit peu écœuré par tout ça. Et limite, les matchs devenaient secondaires, tu vois. Et quand un passionné de l'OM, un passionné de foot, comme tu me connais, se soucie moins de ce qui se passe sur le terrain que ce qui se passe en coulisses, c'est que ça va très mal. C'est que ça va vraiment très mal. Donc, je me suis senti touché. Comme je t'ai dit, Médéric, il a le prototype du mec qui a jamais été violent, tu vois. Je me suis dit, toutes les personnes de tous bords qui aiment l'OM et qui aiment de près ou de loin ce club et cette ville se sentent concernées. Alors moi, étant Marseillais de naissance, supporter de l'OM même avant de naître, je voyais mal ne pas m'impliquer dans cette lutte qui est un combat qui est légitime à mes yeux. Et je ne te cache pas que j'ai lancé d'autres actions avec notamment les groupes de supporters, avec des rappeurs dont je suis proche qui aussi m'aident à véhiculer un message. Parce que ça va au-delà de 90 minutes, comme je te répète, c'est toute une histoire. Je connais des mecs, moi, c'est leur lien social. Mais il y en a, c'est être du mercredi au dimanche dans les locaux des associations, plier des sets de table, tu vois, ça paraît rien du tout, mais discuter de tout, de l'OM, de Marseille, c'est la vie, quoi, tu vois, de je sais pas moi, des travaux qu'il y a à la Joliette, du vieux port qui est devenu piéton le week-end. C'est un lien social pour certains et tu vas te priver de ça. Surtout que dans le monde entier, la richesse reconnue de notre ville et de notre club, c'est le public. Donc tu vas essayer de réformer la chose qu'il ne faut surtout pas réformer dans ton club. C'est aberrant, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Bastien Roland sur le fait de réformer la manière de supporter l'Olympique de Marseille, sur ce lien social qui existe entre l'OM et ses supporters, plus qu'ailleurs. Je suis d'accord à 200% avec ce qu'il vient de dire. Puis bon, il y a d'autres chats à fouetter quand même. Quand on a le boulot de président, premièrement, président, et j'ai pas l'impression, et c'est pas seulement à l'OM, j'ai pas l'impression qu'on réalise que ce n'est pas un poste, ce n'est pas l'honneur d'être président. Un président, c'est un métier. Et quand en plus de ça, tu n'as pas l'expérience, et c'est pour ça que moi, je vise plutôt ma courte, quand tu n'as pas l'expérience pour être président d'un club et qu'on te donne en plus, sans expérience, l'Olympique de Marseille,
Mais j'appelle ça un cadeau empoisonné. Je ne sais pas comment on le dit en américain, un cadeau empoisonné, mais vous essaierez de traduire. On va t'afficher un petit message, Roland, sur YouTube. C'est Coach Guillaumeau qui te pose la question. Si on te propose de prendre le club de Marseille jusqu'à la fin de la saison, est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu n'acceptes pas ? J'ai déjà répondu à ça dans le sens qu'aujourd'hui, il faut quand même être conscient de l'âge qu'on a. Et quand je vois ce qu'il faut faire dans le métier d'entraîneur, et notamment à l'Olympique de Marseille, c'est 24 heures sur 24, et encore, ça ne suffit pas, il faut peut-être 25 heures sur 24. Mais, je dis bien mais, il y a des exceptions, et quand j'ai dit, quand on m'a posé cette question, que les 19 autres clubs, ça serait non, parce que j'ai toujours la passion du football, mais je n'ai plus la patience. Si c'est l'Olympique de Marseille, filer un coup de main pour justement terminer la saison avec un retour au calme, et pourquoi pas une carrière en Coupe de France, et pourquoi pas la cinquième place, encore que je ne sais pas s'il faut souhaiter faire l'Europa League la saison prochaine, alors qu'il y aura un changement d'effectif assez important, mais ça me serait difficile de dire non, puisque c'est comme si la famille ou des amis intimes ou des proches, ce qui est le cas, puisque je suis né dans cette région, je suis né en banlieue de Marseille, à Saint-Antoine. Donc, je me verrais difficilement en train de dire non, ça voudrait dire que je ne rends pas service à des proches ou à de la famille, et ça ce n'est pas l'habitude que j'ai. La cote vient de passer à 90. La cote vient de passer à 90. Le head of football, Pablo Longoria, tu n'as pas appelé encore ? Non, pas du tout. Non. Puis bon, en plus de ça… Et tu sais que si tu changes un tout petit peu, parce que tu n'es pas loin du physique de Sampaoli, tu peux leur faire à l'envers. Des tatouages. Ouais, j'ai pas l'ombre d'un tatouage, donc je suis un petit peu… On va prendre un petit marqueur, on va dessiner un bel élan là, sur le bras, et ça devrait le faire. On va vous poser la question, les amis, sur les différents chats, sur le Marseille dans le top 5. Est-ce que vous y croyez dans ce contexte un peu particulier qu'il y a en ce moment du côté de Marseille ? Vous répondez oui, vous répondez non. Marseille dans le top 5, est-ce que vous y croyez ? On va justement, si c'est possible en régie, nous mettre le classement de ce championnat. On va glisser tranquillement vers les matchs qu'il va y avoir ce week-end, pour voir que l'Olympique de Marseille est classé donc 6e, à un point de Rennes, donc à un point du top 5. C'est vrai, 49 points Monaco, c'est vrai que le trou là… Il y a un vrai gap qui s'est fait entre 4e et le reste du monde. Mais c'est bien, ça veut dire que c'est la preuve quand même d'une qualité de championnat cette saison. Homogénéité devant, avec 4 clubs, Lille, Paris, Lyon, Monaco, il y aurait à redire sur certaines… Matchs, mais c'est plutôt de qualité. C'est quand même assez rare ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Bon, cette victoire à 3 points, que je ne supporte pas depuis qu'elle existe, mais bon, ça c'est chacun sa vision de choses, je pense qu'elle fait trop de dégâts sur le plan arithmétique et même sur le plan visuel. Quand tu as la réaction que tu viens d'avoir… Oui, ok, il y a une dizaine de points. Une dizaine de points avec la victoire à 3 points, ça se règle en 4 matchs. Enfin, 3 matchs, ouais. Et ce qui est encore très rare, c'est que ce qui se passe dans les 4 équipes de tête, ça se passe aussi dans 4 équipes dans le bas du classement, qui donne l'impression, je dis bien l'impression, parce que mathématiquement, il reste encore 13 matchs, je crois, qui donne 13 fois une distribution de 3 points, ça fait beaucoup de points encore. 39. Et ces quatre équipes en bas ben, vont jouer jusqu'au dernier match peut-être, la possibilité de descendre ou de jouer les barrages. Donc là, moi je veux bien qu'on ait encore l'espoir de terminer mieux que 5e, mais ça me paraît difficile, pour ne pas dire impossible. – Voilà, vous répondez non à 60%. – Ah ouais ? Moi je vous trouve sévère, moi, pour le coup. – Peut-être parce qu'ils ont vu les matchs ?– Non, mais on rentrera dans le détail de ce que… – Non, mais je pense qu'il faudrait poser, malheureusement, on n'a pas le temps, une deuxième question, c'est si l'OM n'est pas 5e ou 6e, qui va l'être à la place de l'OM ?– Ah ouais, c'est ça, exactement, c'est plutôt dans ce sens-là, et moi j'aurais pas de réponse, donc je vois l'OM. Rennes, Marseille, Lens, après il y a peut-être… – Lens peut-être, dans l'euphorie d'un promu. – Plus calme, dans l'ombre, ils avancent cachés, les Lensois, pourquoi pas aller… – Ce serait un mérite de ce qui monte dans le contenu, parce que c'est très bien, c'est vrai. – Avec coach Franck Hez. Allez, on va continuer de parler de Marseille, mais cette fois on va parler football, les amis. Nantes-Marseille, pardon, c'est le match demain à 17h, on débriefera peut-être dans le WFC. En fonction de ce qui se passe, on verra. Ouais. Hein, bien évidemment. Comboiré qui reste sur un pourcentage de 100% de victoire, contrairement à son prédécesseur. Invaincu. Il est incroyable. Ça, c'est contrairement à son prédécesseur qu'on connaît très bien ici. C'était qui ? Un certain Raymond Domenech. Ah ouais. Il avait bien, bien bossé. Allez, on y va. Place au terrain, on va parler de Nantes-Marseille. On y va.
Nantes-Marseille, l'information, c'est que Florent Thauvin n'est pas dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Voilà. Pourtant, Nasser Larguet avait dit qu'à part Milik et Rokia, il n'y avait pas de blessés ou quoi que ce soit. Donc, on va attendre peut-être plus d'informations à ce sujet. Donc, Florent Thauvin. Il a pris un coup, c'est ça? Il a pris un coup, Roland, je crois que on a regardé à la fin. Si, il a pris un coup. J'ai pas. Il a pris un coup, il a préféré. En conférence de presse, Nasser Larguet. Non, pas, mais ça a été, c'est sorti un peu plus tard, il a pris un coup à l'entraînement. Et un coup de vieux, peut-être. Non, mais vu qu'il est fragile en plus. Eh bien, écoute, il restera à Marseille, quoi qu'il arrive ce week-end. On va vous afficher les cotes, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Marseille est favori, mais ça ne joue pas à grand-chose. Ouais. Marseille à 2,75, Nantes à 2,90. Et le match nul à 3,25, les cotes ont du mal à savoir qui va s'imposer dans je les comprends. Bah oui, t'as deux coachs qui viennent d'arriver. Comment tu sens, Roland, ce match marseillais demain à Nantes? Ben, je pense que les deux équipes ont envie de gagner, ça c'est une évidence, mais surtout, je dis bien surtout, de ne pas le perdre. Donc, un match nul et un deuxième ticket sur Marseille qui ne perd pas, donc c'est ce que je conseillerais modestement. Match nul 3,25 et Marseille nul, c'est coté à 1,37. Il va falloir mettre une belle valise. Ouais, mais dans un combiné. Sur cette double chance. Qu'est-ce que tu as pensé du match face à Nice? Il avait fait quand même relativement tourner Nasser Larguet avec, on va mettre la compo des deux, surtout de Marseille. Avec des choix surprenants. On avait Saïf Eddine Rahoui qui a marqué un doublé. Le petit Dieng devant. Chaque fois, j'ai envie de l'appeler Mamadou Dieng parce qu'on l'appelle comme ça chez les supporters. Luis Enrique qui était titulaire. On avait Payet derrière tout ça. Camara Gueye. Et puis bon, derrière, pas de surprise. Il y a Mavi qui devrait faire son retour ce soir, enfin demain, dans le 11 marseillais. Est-ce que, Roland, ces choix forts, Rahoui, Dieng, Luis Enrique, On a du mal à penser que ça dure jusqu'à la fin de la saison, mais ça a été une bonne chose. Est-ce qu'il faut confirmer ce turnover important? Disons que je ne mets pas en doute les qualités, en plus la réussite de ces joueurs-là, et notamment de Kawi qui a marqué deux buts. On disait qu'il a marqué son premier but et il a fait un doublé tout de suite après. Et même avant son premier but, il a frappé sur le poteau. Donc il y a des choses en football qui sont inexplicables, et tant mieux pour lui, parce que j'ai le plaisir de le connaître. Il est adorable. Moi, ce que je soulignerais en premier, c'est l'organisation. C'est-à-dire de voir finalement un quatuor offensif. Je connais un petit peu les phrases clés de ce club, notamment droit au but. Donc je pense que peut-être pas pendant tout le match, mais jouer avec quatre défenseurs, deux bons milieux, comme c'est le cas, Gueye, qui ont quand même du volume, et Camara, et quatre offensifs. J'ai dit, avant de regarder Enrique, s'il est bon, s'il n'est pas bon, le jeune devant qu'on ne connaît pas, Payet dans cette position, j'ai dit, tiens, finalement, un quatuor offensif, et ça, c'était pour moi un nouveau. Et bizarrement, alors c'est vrai, on pourra dire qui a eu deux buts d'encaissés et même un troisième. Ouais, il a deux doigts de le mettre. Sur le poteau. Mais il y a quand même eu trois buts de marqués. Et on a vu un Olympique de Marseille aller de l'avant, être quand même dangereux. Et on a pris plaisir à regarder ce match, ce qui n'a pas été souvent le cas cette saison. Non, mais je ne vais pas faire la leçon à coach Roland sur la tactique, mais il y a des trucs quand même qui me paraissent être du niveau CM2. C'est-à-dire que quand Villas-Boas te place contre Paris, Maxime Lopez en 9, quand Kawi, sur les derniers matchs, il joue latéral gauche à un moment, quand Payet, dont on sait que le coffre... C'est lui qui a réclamé de retrouver l'axe. Hein. Voilà, et dont on sait que le coffre ne lui permet pas de jouer à gauche. Toutes ces petites expérimentations que Villas-Boas faisait qui ont totalement déréglé la machine. Là, Nasser Larguet, j'ai pas l'impression qu'il révolutionne les choses. Il te met Payet en 10, des joueurs sur les côtés mobiles. Non. Mobile, Luis Enrique, Kawi. Tous les joueurs sont à leur poste, c'est ce vivant. Ce qu'on peut reprocher, et donc critiquer, c'est facile, mais sincèrement, ce sont des choses que je dis depuis longtemps, dans le sens que je veux bien que Villas-Boas nous mette un 4-3-3 avec Camara, Rongier et Sanson. Oui, ok. Ça peut être une formule, mais pas la seule formule. Surtout quand tu vois que ça ne marche pas. Quoi. Quand, par exemple, je vois des changements, je suis encore coach dans ma tête, je me dis, tiens, qu'est-ce que je ferais à la place de tel ou tel coach? Quand je vois l'OM perdre 1-0 contre Lens, le match au Stade Vélodrome,
et que là, il reste 32 minutes à jouer, on ne passe pas à la formule que met Nasser Largué, de terminer avec 4 offensives et qu'on fait des changements poste pour poste, eh bien, il n'y a pas 50 choses à regarder. C'est qu'il y a des périodes où un entraîneur il est inspiré, je suis bien placé pour le savoir, il y a des périodes où un entraîneur n'est pas bien inspiré. Et Villas-Boas, sur ces dernières semaines, il était, comme ça arrive à tous les entraîneurs, complètement hors sujet, oui, ouais, et complètement bouilli, et malheureusement, il n'arrivait pas à trouver les solutions. Et quand on le voit démissionner, ça a plus été un soulagement pour lui qu'une déception. Juste, il y a un truc très important aussi par rapport à l'image que l'équipe dégage. Quand tu es supporter, quand tu vois, comme l'a dit Roland, 4-3-3 avec tout le temps les mêmes joueurs et que les performances ne sont pas bonnes, mais que les joueurs reviennent, le supporter, il en a marre au bout d'un moment. Le fait d'oxygéner le 11 avec des joueurs comme Luis Enrique, comme Kawi, qui ont certes des petits défauts et à mon avis, ils ne vont pas faire la fin de saison tout le temps, mais ce que je veux dire, d'oxygéner le 11 un minimum, ça aussi, ça met dans une dynamique, les supporters, l'équipe, une dynamique beaucoup plus positive. On va vous poser un dernier sondage du soir. Ça parle de Saïf Eddine Rahoui. Est-ce que vous, supporter marseillais ou non, observateur du football, vous le mettriez titulaire lors du prochain match, Kawi doit-il être titulaire? Il est en balance avec Thauvin, en gros, c'est ça? Thauvin, il n'est pas là. Oui, voilà, c'est ça. Mais pas que demain, mais tu vois, sur la fin de saison, plus souvent qu'il n'a regarde, été… juste pour finir par touchant, rapport à ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, il y a un match où j'ai un doute, donc je ne vais pas dire l'adversaire, mais où Luis Enrique rentre en fin de rencontre, et sur les 10-15 minutes qu'il fait, il est beaucoup plus mobile, il fait deux fois mieux que Thauvin et Payet que sur la Bordeaux. Totalité du match, certainement. Mais Bordeaux. Luis Enrique, c'est pas mal. Je trouve pas mal. Et le match d'après, il n'est pas titulaire. Donc tu vois, où sont les passes droits? Et c'est le problème dans beaucoup de clubs et dans la gestion de certains coachs. Je ne suis pas venu ici pour me transformer en professeur, mais j'aimerais que vous preniez l'habitude, s'il vous plaît. L'histoire de titulaire remplaçant, on est dans une époque, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais ça existe beaucoup moins. Quand, par exemple, on parle de Kawi, au lieu de dire est-ce qu'il sera titulaire, c'est-à-dire dans le 11 de départ, ben, tant mieux pour lui. Mais si déjà il fait partie des 14, 15, voire 16 joueurs avec qui on fait les matchs, et aujourd'hui il y a la possibilité, puisque si on met le gardien de côté, il y a la possibilité de changer 50% des joueurs de champ d'une équipe de football. Donc déjà, s'il est dans ces 5 changements, c'est pour lui quelque chose d'extraordinaire. Il attend ça depuis de nombreuses années. Et c'est sûr qu'il méritera de faire partie des joueurs qui participeront, alors peut-être 45 minutes, 60 minutes, 80 minutes, mais qui participeront au match à venir. Ça, Nasser Largué sait qu'il en a presque l'obligation logique. Le scénario, c'était pas contre Bordeaux, ils ont fini à 9, c'était contre Paris. Contre Paris, ben oui, voilà, il fait une très bonne entrée, après il disparaît. Merci le match. Merci, excusez-moi, j'avais un doute. Tout ça. Roland, on va regarder aussi, parce que les joueurs ont bien aimé Saïf Eddine Rahoui face à Nice. Il y en a un parieur qui s'est mis, tiens, je vais mettre une petite pièce sur le doublé de... Sur la victoire de Marseille, c'est Titi Kroll qui a mis 2000 euros sur la victoire de Marseille à 2,44, 4 880 euros de gain. Il a dû transpirer un petit peu, Roland, sur le coup franc de Guiri sur le poteau. Un petit peu beaucoup. Par contre, à 3-1, il devait se trouver intelligent. C'est vrai. Il a peut-être commencé à regarder quelques placements pour son argent. Je ne l'aurais pas tenté parce que Nice, en plus, sur les derniers matchs, c'était plutôt cohérent. Après, il y avait quand même des joueurs. La charnière centrale. C'est vrai. D'ailleurs, tiens, si par exemple, on considère que Nice a perdu à cause de ça, comme cette charnière centrale, revient au prochain match de Nice, je ne serais pas étonné que Nice fasse un bon résultat. Garde-le. Et le deuxième code killer, ça concerne cette fois-ci Saïf Eddine Rahoui, c'est Jack Nick qui a mis 10 euros, mais sur une cote à 50, sur le doublé de Rahoui, ça fait 500 euros. Ça doit être un copain du quartier, ça. Ça, c'est improbable. Et oui, mais ça fait quand même 500 euros pour notre parieur qui a misé sur Rahoui. Allez, on va passer au coup franc, les amis. Il y a plein de cotes à aller chercher pour ce week-end. Il y a des gros matchs et il y a notamment des matchs dans le championnat de France. On y va, c'est le coup franc.
Et on va commencer ce coup franc. Il y a des gros matchs. Il y a le derby de la Madonnina entre l'Inter et Milan qui pourrait définir le futur d'Italie. Ça va être très important. Mais on en a parlé avec nos traders italiens. Ils sont comme ça là devant le match. Mais il y a une petite information aussi aujourd'hui, Sofiane. Ça se passe du côté du Real Madrid. On va vous afficher les cotes. Le Real Valladolid à 6,15. Le match nul à 4,10 et la victoire du Real Madrid à 1,63. Le problème, c'est que on a appris le forfait de Karim Benzema. Il pourrait rater le match face à l'Atalanta en Ligue des Champions. Sofiane, est-ce qu'on peut faire avec toi rapidement un petit point sur les blessés du Real Madrid? J'ai ça de côté, les blessés du Real Madrid. Voilà. Alors, Sergio Ramos, Militao, Rodrigo Zola, Carvajal. Excuse-moi. Ah, ça c'est le Paris Saint-Germain de Marcelo, Tourelle, Valverde. Benzema, Rodrigo, Hazard, Thomas Gravesen, Higuain. Ouais, donc tu conseilles franchement de cliquer sur Valladolid à 6-15. Valladolid à 6-15, s'il te plaît. Cliquer sur Valladolid à 6-15. Roland, le Real. Un peu plus prudent, je pense qu'elle serait déjà belle la cote. Valladolid qui ne perd pas. Valladolid qui ne perd pas. La double chance du Real Madrid face à Valladolid, elle est à Valladolid qui ne perd pas. À 2-10 seulement. Pas énorme. Mais c'est pas mal. Tu doubles la mise. Ah, moi je prends. Ça dépend. Ça dépend de la taille du billet. Je prends. Sans Ramos, sans Benzema. Tu peux jouer un petit peu moins et faire Valladolid qui perd pas et un petit ticket sur Valladolid qui gagne. Il est malin. On lui apprendra pas. On lui apprendra pas. On sent l'expérience du parieur. Donc, Sofiane, tu mets au-delà des blessés. Ah ouais. On reste quand même sur Valladolid. Pour moi, c'est la cote du week-end. Alors, elle ne passera pas, bien évidemment. Mais pour se faire vibrer. On sait que Rodrigo, il m'a doublé. Pour passer un excellent week-end, quand tu n'as pas Ramos, déjà, je mets tout le temps l'adversaire du Real. Alors là, quand il n'y a pas Ramos et Benzema. Alors doucement les amis, je ne vous incite pas à perdre votre argent bien sûr, mais ça me paraît être une cote intéressante. Milan face à l'Inter, ça c'est le gros match, mais regardez la cote du Milan AC, elle est à 3,70. Ouais mais non, tu vas te la garder. Tu vas te la garder parce que tu sais… C'est un match pour l'Inter ça, après il n'y a pas de domicile extérieur. Je sais, mais moi je fais très attention, peut-être Roland est d'accord, mais sur les derbies… quand il y a une série positive pour une équipe, par exemple à l'Inter sur les 5 derniers derbies contre Milan, ils en gagnent 4 sur 5. Que l'Inter sur les derniers matchs, c'est beaucoup plus positif que le Milan. Ils gagnent contre la Lazio, je l'ai noté, ils gagnent contre la Juve également. Et le Milan a joué hier à Belgrade, ils font 2-2, ils perdent Benacer. Ils sont sur une série où ils perdent contre Spezia aussi en Italie récemment. Moi, je pense que ça va basculer maintenant et je pense que ça va basculer plutôt pour l'Inter. Roland, sur ce match, tu as un avis ? Moi, je suis d'accord, moi aussi. Sur l'Inter ? Combien c'est payé ? Inter qui ne perd pas, les deux équipes qui marquent et but de Lukaku. Oh là là, on le fait. Alors, l'Inter qui ne perd pas, L'Inter au nul, c'est 1,27. Mais le but de Lukaku, je trouve que c'est la belle cote aussi ce week-end. Un but de Lukaku, c'est à 2,15. C'est vrai que lui… Ah ouais, c'est pas mal ça. Les deux équipes qui marquent, c'est pas bien payé. Je pense que c'est un 60, je dirais. Les deux équipes qui marquent, on va trouver ça. Alors, il y a Lukaku et son équipe gagne à 2,80. Je sais pas si ça te plaît, ça Roland. C'est pas mal déjà. Et les deux équipes. L'Inter qui gagne ou juste les deux équipes marquent ? L'Inter qui perd pas, les deux équipes qui marquent. Ah, donc ça, il faut que je fasse un my match. On va trouver ça. Comme ça, je récupère le match nul, le cas où. Parce que dans les derbies, il y a souvent des matchs nuls. Mais Inter, mais juste les deux équipes qui marquent, voir combien ça fait déjà. Et puis on fera un petit calcul. Deux équipes marquent, c'est à 1,54. Donc tu fais un petit ticket avec, C'est pas avec mal, Inter, ça. T'as moyen de passer un bon week-end. Et on va finir ce coup franc, on a le temps. Avec le championnat de France. Roland, je te balance des matchs à la volée. Allez, on va démarrer. Bah, Brest-Lyon déjà, c'est le match de ce soir. Lyon, 1,53. Oui. T'as pas de doute sur ça ? Je vois quand même Lyon supérieur à Brest, même si là aussi on peut s'amuser avec les deux équipes qui marquent. Et s'il y a un buteur, comme il tire les pénaltys, but de Paris. Et le my match de Roland est très bon, nous dit Herlouf sur je suis d'accord avec l'Inter, ça, moi aussi. Les deux équipes marquent. Samedi, on a donc Nantes-Marseille, on en a parlé tout à l'heure. Saint-Etienne face à Reims, on a une belle cote des Stéphanois. À 2,25. Roland. Je jouerai Saint-Etienne, premièrement parce que je les vois mieux, et deuxièmement parce que je vois Reims moyen.
Reims, c'est très compliqué. Sofiane, un avis là-dessus ? Je suis plutôt partisan du nul sur ce genre de rencontre. On va balayer les matchs de dimanche, parce que maintenant, c'est, voilà, tous les multiplex, c'est le dimanche. On a un Montpellier-Rennes qui est assez sympathique. Et ça, c'est pas le club de Roland. Est-ce que c'est pas le Courbisico, ça ? il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, ouais, c'est vrai, les Courbisico, il y en a un paquet. On pourrait faire sur tous les matchs. Il y a 15 jours de ça, je me dis match nul. Là, je vois Montpellier, avec cette victoire à Lyon, retrouver la forme, le moral et aussi les joueurs qui sont décisifs. Donc, Montpellier. Hey, cote à 3, elle est pas mal celle-là. On a un Lens. Je suis pour Montpellier aussi. Lens-Dijon. Là, c'est beaucoup plus déséquilibré. Ouah, c'est le match le plus déséquilibré de la Lens avec un petit écart de but, peut-être Mais moi, sur ce genre de match. Alors, ça vaut certainement un 55. Lens est excellent. On les a vus, c'est une de mes équipes préférées cette saison. Est-ce que ça justifie un écart aussi important de cote? Est-ce que Dijon mérite 7? Est-ce que le match nul mérite 4? Parce que Dijon est quand même vraiment immense. Je sais, il y a un écart qui est logique, mais l'écart pour moi est trop important. En tout cas, Lens à 1,55, ça ne m'intéresse pas. Donc si je joue, personnellement, je vais vers le nul. Roland? Pour la cote. J'ai peur de ce match, donc je ne vais pas conseiller le touche pas. De ne pas le jouer, mais je préférerais d'autres matchs là. Le réflexe, c'est de jouer Lens, mais Lens rajoutes à la fin de ton combiné pour faire grossir la cote, et c'est lui qui te... Là, il me plaît pas. Je ne le sens pas, celui-là. Nice-Metz, est-ce que tu as inspiré, Roland, là-dessus ? Ben, Nice, en récupérant les deux arrières centraux, même si Metz, aujourd'hui, est en forme, une équipe qui fait un très bon championnat, je mets Nice. Il y a « Je t'aime Roland, j'aime Zizou, j'aime comment tu l'as lancé dans le grand bain », nous dit Cristiano Ronaldo. Comme quoi, il y a Cristiano Ronaldo qui nous regarde. Ça, c'est sympa. Ça. En plus, il met le message en français. Merci à vous pour vos messages. Et je vous conseille dans le reportage « Comme dans un rêve ». Roland s'en souvient peut-être pas, mais il explique la morphologie de Zidane. Et il explique ses genoux rentrant. En X. C'est pour ça qu'il est exceptionnel, mal au pied. Avec Alain Felou, on ne trouve pas. Ça, c'est incroyable. Ce moment est fou. Lorient-Lille, il y a une belle cote. Moi, j'aime bien la cote de Lorient. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec ce match face à l'Ajax. Un Lille peut-être un peu fatigué et un Lorient qui fait partie des équipes en forme de notre Ligue 1 actuellement. Lorient à 4,40, j'aime bien. Est-ce que Bourak est de retour ? Il peut être de retour. Je n'ai pas regardé, je suis désolé. Il peut être de retour. C'est dur celui-là, Roland, non ? Est-ce que c'est bien payé les deux équipes qui marquent ? Parce que Lorient, je leur vois deux, trois attaquants là, qui sont dangereux à tous les matchs. C'est vrai. Oui, est-ce qu'ils vont continuer à être performants, Lorient, avec ce calendrier qu'ils viennent d'avoir avec des matchs tous les trois jours ? Donc Lille, bon, qui vont quand même récupérer André, qui va quand même stabiliser un peu et rééquilibrer l'organisation. Lille qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Les deux équipes marquent 1,80. Et on salue Eton Mokolo qui joue Lorient sur ce match. J'ai un truc, match. Moi, par rapport à un buteur. Et Lille qui ne perd pas, c'est 1,21. Alors, je vais pas inventer l'eau chaude. Hein. Il est incroyable. Je le trouve incroyable. Terem Mofi. C'est d'un niveau, ça. Bon, je l'ai dit en tweet. Il ne doit pas y avoir un volume important de mise, mais Terem Mofi, il est misé à 50% sur ce match. Je l'ai dit. Alors, il a été impressionnant. Je fais très attention quand je regarde un attaquant de ne pas m'enflammer très vite, parce que je me rappelle avoir dit que Loïs Diony à Dijon, c'était assez incroyable. Donc ça, je m'en souviens, j'ai fermé ma gueule depuis. Mais ouais. Terem Mofi, dans la corpulence... Idée, ça fait Diony à l'idée. Terem Mofi, dans la corpulence... Je sens un futur bon attaquant ou un excellent attaquant. On avait dit pareil d'Adrien Garbic. Il est incroyable. On avait dit pareil d'Adrien Garbic. Donc c'est ma petite révélation de l'année. Et ben ça fait plaisir. Terem Mofi. Ah mais il a bon goût. Hein. Mais Sofiane a très bon goût. Et allez, on termine par le gros match de dimanche. On se souvient, l'année dernière, on avait eu un très beau match au Parc des Princes entre Paris et Monaco. Roland, on a une belle cote de Paris, on a une très belle cote de Monaco, mais 1,65 Paris, c'est pas mal. En fin de combiné comme ça, là. Dur, Monaco, ça, pas assez solide pour résister à Paris Saint-Germain qui, justement, avec cette victoire au Barça, c'est vraiment pas l'adversaire qu'il faut avoir au prochain match, le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, Paris Saint-Germain avec but et confirmation de Mbappé. Mbappé à 1,86. Et hormis sur le match aller où Monaco s'impose, globalement sur les dernières saisons, j'ai pas regardé les stats exactement. Retourne Paris même. Mais Paris dérouille Monaco très souvent quand même. Hein, c'est très difficile. Bah pas l'année dernière.
pas au match aller, mais si tu regardes dans la globalité, bien sûr, depuis, voilà, c'est très compliqué pour Monaco, ils en prennent énormément, donc j'irai plutôt vers Paris aussi, ouais. Les amis, envoyez un maximum de pouces et de likes pour le Winamax Football Club. Il y a du monde, même pour un vendredi. Donc ça nous fait plaisir. Donner de la force au Winamax Football Club et pour Roland et pour Sofiane. On va terminer cette émission. Il nous reste quelques secondes, Sofiane. Il y a un ami qui nous demandait est-ce que Roland reviendra régulièrement. Et ben, il sera là la semaine prochaine. Déjà. Vendredi prochain. Il a besoin de visiter encore quelques pièces de Winamax. Enfin, on va attendre de voir. Si je ne suis pas sur le banc d'une équipe. C'est vrai, ça peut arriver. C'est vrai qu'il suffit qu'il y ait un banc qui traîne. Valdemar Quitta n'est pas l'abri que Quitta. Normalement, il sera là. Voilà. C'est très bon. C'est très bon. Allez, on va terminer rapidement cette émission avec un petit quiz. Sofia nous a préparé ça avec Roland. On y va, c'est le Cop Winamax. Alors, Cop Winamax un peu particulière, on va mettre la race entre parenthèses, on va faire un petit match amical. Ouais, voilà. Je ne joue pas là cette fois. Roland, pression sur tes épaules parce que tu vas faire gagner de l'argent à nos Winamis qui nous regardent. Ah bon ? Exactement. Oui. En faisant quoi ? Et en répondant aux questions que Sofiane va te poser, il y a 5 euros de free bet de paris gratuit pour vous les amis. Donc mettez sur le chat point d'exclamation quiz team Roland et puis on vous fait gagner des free bets. Il y aura un tiré au sort à la fin. 5 euros par, c'est ça ? 5 euros par bonne réponse. Ah, c'est pas mal ça. Un quiz. Un quiz Roland Courbis. Ouais, Roland face à Courbis. Roland face à Courbis. Ouais. C'est Charlie, notre rédac chef, nos responsables édito qui l'a préparé. On y va, Sofiane. Allez. Petite musique. Ouais. Allez, alors. Il y a une équipe que Roland a affrontée 15 fois en tant que coach, sans jamais perdre une seule fois. Tu as affronté cette équipe 15 fois, elle n'est pas en Ligue 1. Et tu as fait 10 victoires, 5 nuls. C'est ton équipe préférée. Elle joue pas en Ligue 1 cette saison ? Elle n'est pas en Ligue 1, elle est en Ligue 2. T'as le droit à deux chances. C'est pas simple. C'est une équipe historique de notre championnat, quand même. Auxerre ? Non, t'as le droit à une deuxième chance. Ah, que je dis Rouen. Il est en train de se refaire tous les matchs. 10 victoires, 5 nuls. Qui c'est que j'ai tamponné ? Il y en a 3600. Qui c'est que j'ai tamponné 10 fois ? Une équipe, je crois que c'est le club le plus vieux de France. Lille ? Non, c'était Le Havre, que t'as battu 10 fois pour 5 nuls. Eh oui, jamais perdu contre eux. C'était dur. Ce qui m'inquiète surtout, c'est de les avoir rencontrés 15 fois. C'est 15 fois. T'auras appris quelque chose ce soir, Roland. Quelle est l'équipe dans ta carrière qui t'a battu le plus de fois ? 14 fois en 31 matchs. Saint-Étienne ? Non, c'était Paris, tout simplement. Ah. 4. Ouais, mais là, je suis pas le seul. Oh, la honte. Ah, t'es pas le seul. En revanche, il me dit quoi, Charlie ? Il dit, alors que c'est l'équipe contre laquelle il a le plus gagné en tant que joueur. 3 fois. Ouais, même en tant qu'entraîneur aussi, exactement. C'est pas mal. Oui, tu les as bien. Paris, tu les as bien. 2 fois en championnat et 1 fois en coupe. Exactement. Tu les élimines en coupe. Excuse-moi, je te coupe. Il y a Dylan Perdo qui lui dit, j'ai fait le challenge orange à Bonal avec Roland Courbis à côté de moi. D'accord. C'est beau souvenir, ça. Petit challenge orange, là, les gamins qui viennent taper sur... qui viennent jouer à la mi-temps des matchs. Voilà, petite anecdote de Dylan. Mais qu'est-ce qu'il faisait Roland à Bonal ? Ah, il devait être... il jouait à Bonal. Il jouait un match à Bonal. Mais non, j'ai joué 3 ans à Sochaux. C'est aussi vieux, non, le challenge orange, non. Il devait... Après, il était peut-être invité... Enfin, c'était l'adversaire, peut-être. D'accord, OK. Ben, Dylan va nous le dire. Le coach devait être en difficulté et Roland était dans les coins, dans le coin, quoi. Ouais, il devait y avoir... Il devait y avoir un problème. Roland, allez, on essaye Sochaux, celle-là. Mais je vais à descendre. Il y a un entraîneur actuel de Ligue 1 que Courbis, que Roland, a affronté 6 fois sans jamais gagner. Oh, je pense qu'en même temps, tu aurais pu rajouter le club, j'ai dit tout à l'heure, à Saint-Etienne, ça doit être Saint-Etienne avec Galtier. Galtier, exactement, 5 euros pour Roland. T'as jamais battu Ah, c'est incroyable. Premièrement, c'est un bon entraîneur. Deuxièmement, il y avait une belle équipe. Et en plus, les scénarios, les scénarios, il n'y a rien qui va. 5 euros, c'est bon, ils vont avoir 5 euros au moins, c'est parfait. Roland, là, il y a 3 réponses possibles. Si tu en trouves une des 3, c'est bon. Les 3 joueurs que tu as le plus utilisés dans ta carrière. Il y en a un, tu as utilisé 144 fois, le deuxième 139 fois et le troisième 109 fois. C'est vrai, j'ai le premier, c'est un Bordelais. Enfin, il est passé par Bordeaux, notamment. Ouais, d'accord. Si t'en trouves un des 3, c'est bon. Tu l'as eu à Bordeaux et à Marseille, je pense. Enfin, même, c'est sûr.
Ça réfléchit là. Domoro. Ouais, c'est bon, oh. Domoro, c'était pas le plus simple. Incroyable. C'était pas le plus simple. Il nous sort Domoro. Mais c'est bon, Cyril Domoro, c'est 109 fois, et les deux premiers, c'était Christophe Dugarry. Ah oui. C'est celui que tu as le plus utilisé. Et Souleymane Camara. Le problème, c'est que je ne l'utilisais pas 90 minutes. Ouais. pour éviter des problèmes à ces ischios. Ça fait 10 euros, c'est bien, Roland. La dernière pour toi, Roland. Tu as le record de matchs sans prendre de but, avec Gaëtan Huard, pardon. Est-ce que tu es capable de me donner le nombre de minutes, à 10 minutes près? Oh ben oui. Je pense... Allez, 1430. Non, c'était 1176, t'étais pas 1176. Très loin. Mais ça alors, le 1400, tu sais c'est quoi qui me fait? C'est le fait que c'est 14 matchs. Ah oui. 14 matchs, donc j'ai le 14 dans la tête. C'était très très dur. C'était dur, ouais. Et il a réussi à récupérer 10 euros quand même. En offre 15, parce qu'il a donné la série de matchs. Par contre, ce record, là, c'est quand même un de mes plus beaux souvenirs de la carrière. On a maintenu ça avec, si tu veux, beaucoup. Bon, on dit Gaëtan Huard, évidemment, qui était pour beaucoup, puisque c'est le gardien de but. Mais l'organisation, les principes, les... Donc c'était un souvenir, d'ailleurs... Quand ça s'arrête avec un but sur coup franc d'Asanovic contre Montpellier, ouais. C'est Guérit qui la dévie. On est rentré au vestiaire, on avait gagné quand même 2-1, on aurait dit qu'on venait de perdre 5-0. Comme la série de Marseille face à Bordeaux, ils sont contents, ils ont fait match nul, la série ne s'arrête pas, ils sont contents à Bordeaux. Merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous ce soir, bon courage pour vos pronos et vos paris du week-end. On se retrouvera demain, même heure, 20h15 sur le plateau du Winamax FC, il y aura pas mal de choses à dire. Merci Sofiane, merci beaucoup Roland. Merci Roland. J'espère que tu as pris du plaisir. Merci à vous. Et puis de toute façon, c'est dans la boîte, hein, tous tes pronos. Et la semaine prochaine, on te les met dans la tranche. Ah oui, c'est vrai que... Si c'est perdant. Demain, je vais être jugé. Oui, c'est ça. Donc, on mettra ça en boîte. Bonne soirée. Et puis, à demain, Winamax Football Club à 20h15. Ciao, ciao. Salut.